mais qu'il est beau. Attends, mais je vais ouvrir ça, attendez. Ah mais vous êtes là. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonjour. Ça va? Quoi? Il y a un truc qui... Ah! Le décor! Eh oui! Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Oui, on a un nouveau décor. Un nouveau décor pour toutes nos émissions sur The Grand Test. Et vous verrez que c'est loin d'être la seule pièce qui va être disponible pour qu'on tourne nos vidéos. Regardez ce que j'ai entre les mains, c'est le nouvel iPhone. C'est un jour important. On est aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2019 et c'est aujourd'hui qu'est sorti l'iPhone et je suis allé le chercher à l'Apple Store de Vélizy, juste à côté de chez nous, ce matin, pour vous faire l'unboxing et la présentation et puis vous donner mon premier avis après l'avoir pris en main aujourd'hui. Alors c'est parti, on va pas perdre de temps, on va ouvrir cet iPhone et écoutez bien. J'ai fait exactement la même chose pour l'iPhone 10S Max l'an dernier, j'espère que vous en souvenez. Attention, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Waouh. Alors j'ai commandé la version green, je sais pas comment on dit, vert, green, émeraude, je sais pas quoi. Il est magnifique. D'ailleurs, c'est marrant parce que regardez, on dirait qu'il y a une coque de protection dessus, mais c'est pas une coque de protection, hein, c'est un effet d'optique. Deuxième partie d'ASMR. Le truc est magnétique, ça colle partout. Et bien voilà, j'ai enlevé la partie plastique de protection, il est absolument magnifique. Bon alors, avant de l'allumer, on va faire le tour de l'iPhone 11 Pro, puisqu'il y a quand même quelques nouveautés qui sont hyper remarquables. Et la première chose que l'on remarque, évidemment, c'est l'arrière qui a beaucoup changé. Il y a donc trois capteurs de même taille et de même capacité. Ce sont des capteurs de 12 mégapixels. Un qui va vous permettre de faire du grand angle, un qui va vous permettre de faire du très grand angle et un qui va vous permettre de faire un téléobjectif zoom deux fois optique. Autour de cette partie photo, on a l'impression d'avoir un rebord qui permet de rendre encore plus proéminent la partie photo. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez vous en rendre compte, et on dirait qu'à l'arrière il y a un genre de verre poli, et d'après ce que nous raconte Apple, cet arrière est beaucoup plus résistant que la version de l'an dernier. En revanche, vous le savez et je vous le dis à chaque fois, hein, il serait quand même très très périlleux de se promener avec un iPhone à plus de 1000€ sans protection, et ça on va en reparler tout à l'heure puisque je vous parlais de ce que m'a envoyé RhinoShield pour protéger cet iPhone. Donc sur le côté on a toujours le bouton pour allumer, on a la trappe pour la carte SIM, et sur l'autre côté on a le bouton pour mettre sur mute, et puis le bouton de volume haut et le bouton de volume bas. Mais avant de regarder le téléphone, regardez ce qu'il y a quand même dans la boîte. Alors toujours designed by Apple in California. La différence c'est que maintenant Johnny Ive ne fait plus partie de Apple, il est devenu consultant extérieur à la boîte. Mais bon, je pense que c'est quand même lui qui s'est occupé du design de cet appareil. Donc un petit peu de littérature. Toujours les autocollants Apple, hein, ça c'est vraiment une tradition depuis des années chez Apple. Mais ce qui n'est pas une tradition, c'est ce qui se passe dessous, parce que là il y a quand même du nouveau, regardez ça. Il y a un chargeur ultra rapide, c'est la première fois qu'il est livré avec un iPhone. Alors je sais pas exactement la puissance, je crois que c'est 18 watts, ce qui est quand même beaucoup plus que les chargeurs de 5 watts qu'il y avait avant. Et avec une prise USB type C, donc normalement il devrait y avoir le câble Lightning vers USB type C. Voilà, c'est le cas, Lightning vers USB type C, hop le voilà. Donc ça, ça change, hein, plus d'USB A, c'est aussi une révolution pour Apple. Et puis on a aussi une paire d'écouteurs qui normalement devrait être en Lightning, hein, toute logique, voilà. Comme l'an dernier et comme l'année d'avant, et comme l'année encore d'avant. Plus de prise jack, hein, sur l'iPhone, mais ça on commence à être habitué. Et puis de toute façon, de plus en plus de constructeurs de smartphones haut de gamme ne mettent plus de prise jack sur leur téléphone, voilà. La prise jack, c'est un truc qui appartient au passé. Et bien maintenant, c'est ce qu'on va faire, on va allumer l'iPhone 11 Pro. Démarrage rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iPad 11 ou ultérieur, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Et là, je vais bien sûr prendre mon iPhone 10R. Et d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer un truc. Regardez l'arrière de mon iPhone 10R. C'est une protection RhinoShield. Ce sont les skins. Ils ont sorti ça il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, ça, c'est pour l'iPhone 10R. Et je sais qu'ils sont en train de les préparer pour les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cette protection, en fait, elle existe en plusieurs couleurs. Et autour, on a une protection Crash Guard qui protège les contours du smartphone, donc de l'iPhone. Mais il n'y a pas que les iPhones. Pour aller voir sur le site de RhinoShield, mais je vous en parlais tout à l'heure. Alors, je vais commencer par enlever la carte SIM qui est dans ce téléphone et je vais la mettre dans le nouveau. Tiens, d'ailleurs, regardez, c'est marrant. Ça, c'est l'iPhone 10R et ça, c'est l'iPhone 11 Pro. La carte SIM est plus haute, en fait. Il y a des personnes qui aiment bien les petits détails de ce genre-là. Voilà, on a enlevé la carte SIM. Ah, il a détecté que j'avais un nouvel iPhone. Bah oui, bien sûr que j'ai un nouvel iPhone. Ok, donc il a trouvé mon nouvel iPhone et je vais transférer tous mes comptes depuis l'ancien iPhone, donc l'iPhone 10R, vers le nouveau. L'iPhone 11, donc on va mettre le truc classique, hein. Ils sont en train de se connecter l'un à l'autre. Ça va me permettre de transférer toutes mes données de mon ancien iPhone vers le nouveau. Donc maintenant, on va faire un coup de Face ID. On va voir s'il reconnaît toujours mon visage de beau gosse.
première analyse Face ID terminée. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Voilà, cercle complété. Ne pas transférer les apps et les données, ça on le fera plus tard. Ok, iMessage, partage avec Apple, analyse d'application. Allez à l'accueil, passer d'une application, ça on connaît, c'est comme l'an dernier. Demandez à Siri, ok, bienvenue sur l'iPhone, attention, premier bureau de l'iPhone. Oh, c'est magnifique! Je suis pas très fan du fond orange, mais ça on pourra le changer plus tard. Alors c'est vrai que maintenant sur iOS 13, on a le slider en fait, hein, comme on a depuis des années sur Android. Donc c'est parti. Tiens, pendant qu'il se connecte à iCloud, regardez un truc. Sur mon iPhone XR, j'avais mis donc cette skin. Et en fait, regardez, c'est exactement la même couleur que ma table. Si je le pose sur ma table, il disparaît complètement. Bon, pas complètement, parce qu'il y a les contours qui sont blancs, évidemment. Et en plus, il n'est pas dans le bon sens, donc il faudrait que je le mette comme ça. Et si je le mets comme ça, j'ai l'impression que mon iPhone disparaît. Waouh. Donc, je vous parlais tout à l'heure de RhinoShield qui m'a envoyé ses nouvelles coques de protection. Ce sont donc les Solid Suite. Donc Solid Suite, c'est pour moi, parce que j'en ai testé plein, et je vous assure que c'est vrai, ce sont celles qui protègent le mieux l'iPhone, parce qu'elles sont à la fois très résistantes, hein, military grade, hein, c'est marqué en bas, et puis parce qu'elles sont surtout jolies, voilà. Elles protègent l'iPhone devant, derrière, sur les côtés, surtout parce que c'est surtout sur les côtés qui morfle quand on le fait tomber. Et de manière tout à fait honnête, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est vrai, j'ai toujours protégé mes iPhones avec des coques RhinoShield depuis maintenant 2 ans, et je n'ai plus jamais cassé d'iPhone. La dernière fois que j'ai cassé un iPhone, c'était quand il était tombé pendant que je faisais du sport, il n'était pas protégé et j'ai pleuré, voilà. Donc maintenant, je ne pleure plus, je protège mes iPhones avec des vraies coques. Et si vous voulez acheter des coques RhinoShield, il n'y en a pas que pour l'iPhone 11, hein, il y en a pour tous les autres modèles d'iPhone, mais aussi pour d'autres appareils sur d'autres marques, eh bien vous pouvez aller sur leur site web et vous avez 10% de réduction avec le code THEGRANDTEST. Voilà, fin de la parenthèse, on revient à notre iPhone. Alors attendez, on va faire un truc tout de suite parce que une des grosses nouveautés de l'iPhone 11 Pro, c'est la photo. Donc je vais aller chercher l'appareil photo, voilà. Alors je vais en même temps que je vous montre enregistrer l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir vraiment ce que je vous montre. Hop, je lance l'appareil photo et je me mets sur le capteur classique. D'ailleurs vous voyez, c'est marrant, les bords sont noircis, juste pour vous montrer ce que l'on ne peut pas voir mais qu'on pourrait voir si on se mettait avec le très grand angle. Donc là on est sur le capteur optique classique, je fais une photo, clac. Maintenant je passe en mode 0.5 ultra grand angle. On voit tellement plus de choses, c'est incroyable. Hop, je fais la photo. Maintenant, je me remets avec le capteur classique et là, je me mets en zoom x2. Voilà, petit sourire. Voilà. Et on va passer en mode vidéo et je pense que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. En mode vidéo, clac. Si je me mets en capteur ultra grand angle, waouh, c'est incroyable. Capteur 2 fois. Et ce qui est fou, hein, c'est que il n'y a aucune différence de colorimétrie, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des appareils du marché. Dès que vous changez de capteur, donc à l'arrière, eh bien la colorimétrie change parce que c'est pas le même capteur. Là, c'est 3 fois le même capteur. Il y a juste la lentille qui est différente en fait pour donner plus ou moins de champ de vision. Voilà, c'est très malin de leur part d'avoir mis 3 capteurs différents, ce qui assure une qualité homogène sur les 3 focales utilisées. C'est vraiment une super idée et je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Donc sur l'appareil photo, on va se mettre en vidéo. Alors, on peut aller jusqu'en 4K 60 fps, c'est génial. Et sur le ralenti, on peut aller jusqu'à 240 images par seconde, c'est plutôt bien. Et attendez, c'est pas tout, capture hors du cadre photo, je sais pas ce que ça veut dire. On va cocher ça, on va voir ce que ça donne. Toujours dans les formats, on a l'efficacité, donc H265 ou le plus compatible, c'est-à-dire H264. Si je me mets en vidéo et si je passe sur la caméra avant, ah, je suis toujours en 4K. Voilà, là je suis en train d'enregistrer avec la caméra selfie de l'iPhone 11 Pro. Et on est en 4K 60 images par seconde. Donc je savais qu'il y avait de la 4K à l'avant, mais je ne savais pas que c'était en 60 images par seconde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever. Et comme ça, je vais me promener un petit peu. Voilà. Je vais faire un petit tour dans les couloirs pour voir le résultat de ce que l'on va filmer avec cet iPhone 11 Pro. Je ne sais pas s'il y a une stabilisation optique à l'avant, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Voilà. Tiens, je vais aller dehors. Ok, donc là on a eu un changement de colorimétrie. Alors je sais pas si vous m'entendez toujours sur le micro parce que je suis plus dans le studio. Voilà, c'est pas mal hein. Ça a l'air pas mal du tout, il y a peut-être quelques changements de colorimétrie qui sont un peu bizarres, je sais pas. Voilà, c'est un coup à prendre, c'est peut-être pas une version complètement définitive de la version de l'appareil photo. Parce qu'il est sorti aujourd'hui, il y aura sans doute des mises à jour. Voilà, je vais arrêter la caméra selfie et pour revenir à l'intérieur, je vais passer sur la caméra arrière, la caméra principale.
Voilà, là je suis en train de filmer avec la caméra principale où il y a une magnifique stabilisation. C'est incroyable, la stab est impressionnante. Et donc c'est pareil. Et donc je reviens dans mon bureau. Voilà, je suis en train de marcher. C'est quand même dingue. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez vu la vidéo pendant que je la tournais. À vous de me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez en fait de la vidéo à la fois selfie et aussi de la vidéo qu'on a filmée dehors avec la caméra principale arrière. D'ailleurs, j'ai pas testé la vidéo en très grand angle. Bah écoute, on va le faire tout de suite, ouais, c'est parti, bougez pas. Voilà, là je filme avec la caméra principale et est-ce que je peux... Ah oui, je peux changer le grand angle et je peux passer en ultra grand angle. Ah non, je peux pas. Pendant que je filme, je peux pas changer vers le très grand angle. Mais en revanche, je peux faire un zoom. Là, je suis en très grand angle et si je me filme comme ça, de manière... Oh là là, c'est complètement fou. Alors, j'y vois pas bien. Je pense que je vais me reculer comme ça. Peut-être que vous y voyez mieux, vous. En tout cas, j'ai la vidéo qui est en train de me filmer. Pfff. Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que c'est la première fois qu'il y a un ultra grand angle sur un iPhone. Et effectivement, on a l'impression que c'est un petit robot qui vous regarde et qui vous sourit. C'est assez marrant. J'aime bien ce design. Oh là 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 là. Il faut que je vous raconte ce que je viens de faire dehors. Je suis allé faire des photos, des vidéos et alors là, j'ai découvert un truc. Je ne savais pas, j'étais pas au courant en fait qu'ils avaient rajouté un mode ultra wide pour le panoramique. Moi, le panneau, c'est un truc que j'utilise très très souvent. Vous savez, les photos où il faut se mettre comme ça, il faut faire ça et garder la ligne horizontale le plus possible. Et ben là, ils ont rajouté la possibilité de faire des panoramiques avec l'ultra grand angle et ça, c'est génial. Alors ça déforme un petit peu la photo, peut-être qu'ils vont améliorer ça ou qu'on pourra utiliser des applications pour redresser les photos, surtout les photos de monuments, d'architecture, etc. Mais en tout cas, ils l'ont rajouté, ça c'est génial. Ils ont aussi rajouté donc le slow motion à l'avant, donc ça c'est nouveau, et puis le mode portrait a encore été amélioré aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Franchement, ma première impression est super bonne, surtout sur la photo et sur la vidéo, parce que moi j'utilise beaucoup mon iPhone pour la photo et la vidéo. Premier avis ultra positif sur cet appareil photo qui semble rattraper tout le retard qu'il avait depuis on va dire 2-3 ans sur plein de modèles d'autres marques évidemment qui avaient à la fois un ultra grand angle et puis le mode nuit. Là, le mode nuit, j'ai pas pu le tester parce qu'il fait jour. Attendez, bougez pas. Mode nuit activé, désactivé, activé, désactivé. Waouh, ça déchire quand même. Oh, je viens de découvrir encore un truc. Ils ont rajouté la possibilité de passer du mode 4 tiers au mode 16/9 sur les photos. Moi, j'aime beaucoup faire des photos en format 16/9 et on ne pouvait pas avec l'iPhone avant. Eh bien, maintenant, on peut et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, bon, c'était à peu près mes premières impressions sur l'iPhone 11 Pro. Alors, je vous le dis, hein, comme je vous l'ai dit au début, si vous l'achetez surtout, prenez une protection. Vous avez 10% sur le site de RhinoShield avec le code TheGrandTest. Ça vaut vraiment le coup et je vais commencer par mettre une protection Solid Suite sur mon nouvel iPhone 11 Pro parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, donc elle est parfaitement adaptée à l'iPhone. Hop, voilà, mon iPhone est protégé. Évidemment, on ne voit plus le vert émeraude magnifique qui est derrière, mais en tout cas, je peux le faire tomber, ça ne risque rien du tout. Voilà, il n'est pas cassé, heureusement. Si vous avez envie de vous en offrir un, bien sûr, je parle de l'iPhone, surtout n'oubliez pas d'acheter une coque avec, hein, ça serait quand même dommage de le casser le premier jour. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où je vais vous parler beaucoup plus en détail de l'iPhone 11 Pro, puisque j'ai la chance de le garder quelques temps. Je vais pouvoir le tester en long, en large et en profondeur et je vous donnerai mon avis définitif. Mais pour l'instant, tout ce que je viens de découvrir et qui se voit à première vue, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne la photo et le design, eh bien, ça me laisse une super bonne première impression. Voilà, merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test.